Carmen Sama, la veuve de Titi Arafat, en pleure. Voici les véritables raisons de sa tristesse. Pour plus de détails, après le générique. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le 4 avril est une date assez douloureuse pour la veuve de Titi Arafat, la belle Carmen Sama. Voici les véritables raisons. Carmen Sama, la veuve de Titi Arafat, aujourd'hui ça fait un an que tu as brisé le cœur de toute la famille. L'année 2019 a été une année très difficile pour la belle Yao Carmen, alias Carmen Sama, elle qui a perdu son prince charmant, Ange Didier, reconnu sous le nom de Didier Arafat, le 12 août dernier à la suite d'un terrible accident de moto. Un décès survenu alors qu'elle se préparait à célébrer son mariage civil avec le père de sa fille, Rafna Ouon, âgée seulement de 2 ans. Tu as laissé toutes les personnes que tu aimais le plus au monde et tous les préparatifs du mariage. Finalement, j'épouse qui, d'environ 4 mois, et Rafna, la seule chose qui me réconforte, c'est la certitude de l'immense amour que tu avais à mon égard. À mes côtés, tu étais comme un enfant. Je t'ai aimé dès le début, je continue de le faire, avait-elle écrit sur son compte Instagram un mois après le décès de Didi Arafat. Cependant, force est de constater qu'avant la brusque disparition de son homme, la belle Carmen Sama avait déjà perdu un être cher. Sa sœur aînée avait rendu l'âme le 4 avril 2019, soit 4 mois avant le décès tragique de Didier Arafat. Un an après ce malheur, la mère de la petite Rafna rend un hommage à sa défunte sœur via une publication sur son compte Instagram. Aujourd'hui, ça fait un an que tu es parti, un an que tu as brisé le cœur de toute la famille, un an que tu m'as laissé le rôle de sœur aînée. Pourtant, tu m'avais promis de ne jamais m'abandonner. Je comptais sur toi, Nathalie. Tu étais ma confidente, ma meilleure amie, ma conseillère et ma sœur chérie, a-t-elle écrit. Avant d'ajouter, je me souviens des préparatifs de mon mariage traditionnel. Tu étais tellement excitée à l'idée que ta petite sœur devienne officiellement Madame Ouon. Mais hélas, ne t'inquiète surtout pas, ton fils est dans de bonnes mains. Maman essaie de tenir le coup, c'est jamais facile de perdre son premier enfant. Tu me manques, grande sœur, que ton âme repose en paix. Je t'aime, a écrit Carmen Sama.